my god, oh my god. Salut, on se retrouve aujourd'hui pour mon premier unboxing. Regardez l'énorme paquet que j'ai reçu de la part de mon amie belge Nathalie. Nathalie est une copine que je connais d'Instagram. Je lui avais fait un cadeau il y a 2 ou 3 mois, lui offrant un livre et quelques babioles. Elle m'avait dit qu'elle se vengerait. Je pense que c'est chose faite vu la taille du paquet et le poids du paquet. Donc j'ai décidé d'ouvrir ça avec vous. Et c'est parti pour l'ouverture et la découverte. Alors, comment ça s'ouvre ? Voilà, c'est blindé avec un petit mot qui dit: désolé des emballages, c'est mon premier colis, j'espère qu'il te plaira, love. Ben oui, tes emballages déjà sont canons, Nathalie, donc je suis sûre que ça va me plaire. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc en premier, j'ai une jolie carte, ma claire d'amour. Oh, cette boue est dépaillée. Carte toute pailletée. Je lirai le petit mot après, je préfère le garder pour moi, je ne vais pas vous le lire à la caméra, donc ça ce sera pour après. Alors je vais commencer. Oh là là, il y en a partout. Oh, je viens de trouver quelque chose au fond du paquet qui n'est pas emballé. Ok, déjà j'adore. C'est un marque-page de Game of Thrones avec la maison de Stark, Winter is coming. Et un petit mot qui dit: bonne lecture ma chérie. C'est un marque-page magnétique, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser ce genre de marque-page, honnêtement c'est mes préférés et j'adore, ça n'abîme pas du tout le livre et on ne perd pas la page, parce que bon, souvent moi quand j'ai un petit marque-page glissé comme ça, en général, je prends mon livre de je ne sais quelle manière, le marque-page s'envole, c'est le drame, je ne sais plus où j'en suis, et ça me sauve la vie. Je suis déjà trop contente de ces premiers trucs, mais je suis déjà aux anges. Alors, il y en a un petit ici. Je ne sais pas ce que c'est. C'est lourd. Je me suis armée de mes ciseaux. Je sais que le scotch belge est assez tenace. Je ne me laisserai pas avoir par du scotch. Oh, il est trop beau. C'est un petit vernis bleu de la marque Kiko. Je suis en adoration devant les vernis. J'ai une collection de vernis monstrueuse. Je sais pas, peut-être qu'un jour je vous la montrerai. Donc j'adore. Il est bleu avec des paillettes. Il est vraiment magnifique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Oh, trop bien, j'adore. Un masque. Un masque pour le visage qui sent les fruits des bois. Ça a l'air trop bien. Alors ça, je pense que c'est le livre. Je vais l'ouvrir en dernier. Je garde le plaisir. Par contre, il y a un énorme paquet à côté. Ça, si c'est le livre, je ne sais pas ce que c'est à côté. J'ai un petit peu peur de ce qu'elle a pu acheter. Je pense qu'elle a craqué vraiment. Allez, on continue avec ce petit-ci. On va y aller crescendo, les petits et les gros en dernier. Oh, et si ? Nathalie, j'adore cette marque. Je sais pas si c'est un hasard ou quoi, mais j'adore la marque Essie. Donc c'est une petite crème pour les mains de la marque Essie. Trop bien. Ouh, ouh, j'ai fait tomber le bouchon. Oh, ça sent trop bon. J'ai envie d'en mettre maintenant. C'est pas le moment de mettre de la crème, mais... j'ai envie d'en mettre maintenant. Oh, j'adore. Alors, qu'est-ce que c'est? On dirait un flan. On dirait un flan portugais. Je ne sais pas s'il y a des portugais parmi vous, mais on dirait les petits flans portugais. Ok, les ciseaux. Oh, c'est trop beau. Oh là là, j'adore. Il est magnifique. Comment ça marche? C'est aimanté?
le casser. Ah, oh, c'est aimanté en plus. Un bracelet et dans les tons rouge, bordeaux, c'est une couleur que j'adore. Il est trop beau. Avec des strass, des petites perles. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Je ne sais pas où se fait le focus. J'ai mis le bracelet, il est vraiment magnifique et j'adore le système de fermeture aimanté. C'est top, ça va m'éviter de galérer pendant une heure à fermer. Je sais pas vous, mais je ne sais pas fermer un collier ou un bracelet toute seule, c'est une vraie galère. La couleur, j'adore. Franchement, merci, je ne sais pas comment t'as fait, mais pour moi tu tapes dans le mille à chaque fois. Alors, le suivant. Oh, ça, je pense que c'est une bougie. Ce scotch là, franchement, c'est pas de la gnognotte. Oh, elle est belle! Ah, elle est trop jolie! Donc, une jolie bougie avec des petits décors de flammes roses et de toucan. Et c'est à la mandarine et au citron, si je comprends bien. Ça sent les vacances, j'ai l'impression d'être en vacances. Je crois que je vais l'allumer juste après la vidéo, je n'ai pas de vacances cette année. Je vais partir en vacances grâce à cette bougie. Merci Nathalie, tu vois, c'est mes vacances 2017 dans ce petit pot. J'adore. Allez, maintenant on continue avec les un petit peu plus gros. Il n'y a rien d'autre qui est caché, que je ne vous fasse pas avoir, ok. Alors, on va dire celui-ci en premier, pour t'y retrouver et n'en sortir que le meilleur. Non, je suis nulle à deviner. J'essaye de deviner au travers, mais... Oh. En plus, alors ça, je les avais vus sur son compte, j'avais dit « Oh, j'adore et tout !» Bah voilà, je les ai aussi. C'est des petites notes à coller donc dans le livre, pour marquer des citations, des pages, des passages. Et c'est trop mignon. Ça me fait penser à la savane. Je sais pas si vous voyez bien. Ça ressemble à la savane. Merci Nathalie. Alors... Notez que j'ouvre celui-ci sans ciseaux. Il y a du progrès au fur et à mesure de l'ouverture. Couleurs, oh, il est trop beau. Un petit carnet aux couleurs fluo et tout rayé, c'est top. J'adore les carnets, j'en ai plein, mais j'en ai jamais assez. Je note tout dedans, mais quand je dis tout, c'est tout et n'importe quoi. Et après, je sais plus, je me dis, mais j'ai noté dans quel carnet? Il est où mon carnet? C'est nickel, je vais pouvoir noter mes idées pour les vidéos, mes idées pour les photos Instagram. C'est top. Et les couleurs, j'adore, c'est super, ça fait été. Parfait. Bah maintenant, il nous reste les deux paquets. Je ne sais pas si j'utilise le gros, si j'ouvre le gros ou le livre en premier. Je vais ouvrir le livre, j'ai vraiment envie de savoir ce que c'est. Le gros me fait très peur, j'ai peur qu'elle ait craqué et que ce soit quelque chose de ouf, quoi. Mais... J'espère pas. Allez, c'est parti pour l'ouverture du livre. Alors, qu'est-ce que ça peut être comme livre? On peut le déchirer en coupant au ciseau. Quand t'as emballé, t'as pas fait semblant. Hein. C'est la galère pour ouvrir. Oh là là. Ça met du suspense. Oh, oh oui. Tiens. Ah, c'est pas accroché. Alors, il y a du scotch sur la couverture, j'espère ne pas tout abîmer. Ah non. Ah. Merci, je sais pas quoi te dire, je voulais tellement ce livre, je suis trop contente. Donc c'est Marquer les ombres de Véronica Roth, c'est l'auteur de Divergente, donc une saga que j'adore. J'ai vu ce livre passer un peu partout.
Je n'avais pas encore craqué, j'hésitais beaucoup, mais je le voulais énormément, donc mille merci. J'ai hâte de me plonger dedans. Rien que la couverture est splendide. Puis bon, bah c'est Véronica Roth, quoi, donc je pense que je vais adorer. Merci, franchement, merci. Je ne m'attendais... En fait, je savais pas à quel livre m'attendre. Et bah je suis super contente. Franchement, je suis vraiment très très contente. Merci Nathalie. Il ne reste plus qu'un paquet. J'ai peur. Regardez la taille du paquet. Alors, il y a écrit « Ne te fâche pas ». Ça commence très bien. Je vais retirer ça. « Ne te fâche pas ». C'est un cadeau. En général, je ne me fâche pas quand on me fait un cadeau. Mais j'espère vraiment que t'as pas craqué. Il y a écrit « Effet bonne mine maintenant que tu es sur BookTube ». Ok. Allez, c'est reparti pour les ciseaux. Qu'est-ce que t'as fait comme folie? Alors en fait, je pense que le effet bonne mine, c'était pour le masque et que ça a dû se coller là-dessus. J'ai juste envie de pleurer en fait quand je vois ça. Je vais te tuer. Clairement, je vais te tuer. Oh mon dieu. Oh. T'es dingue. Franchement, t'es dingue. Pourquoi t'as fait ça? Elle est magnifique. Regardez-moi ça! Oh putain, pardon, faut pas dire ça. C'est... Je suis fan de Game of Thrones, j'adore cette série. Et en fait, c'est Margaery Tyrell, c'est un de mes personnages préférés dans la série. Et bah voilà, elle est là. Merci! Je me retiens, je ne veux pas pleurer. Mais waouh, c'est... Ah ouais, t'es complètement dingue. Je sais pas quoi dire, je suis émue de ouf. Elle est splendide, j'ai trop hâte de la mettre dans ma vitrine. Mais même la boîte, je pense que je garde la boîte, quoi. La boîte est trop belle. Merci Nathalie, franchement je ne m'attendais pas à ça, tu as craqué. Je ne vais pas m'énerver, mais il y aura un retour de bâton, crois-moi. Merci pour cet énorme paquet. Merci surtout pour ta gentillesse et ton amitié, parce que ça signifie beaucoup pour moi. On est amis que depuis quelques mois, mais je t'adore, tu es quelqu'un en or. Donc... merci, simplement merci. Pour tous ceux qui ne connaîtraient pas Nathalie, je mettrai les informations de son compte Instagram dans la barre d'infos. Allez la voir, parce que c'est une personne en or, elle a le cœur sur la main et c'est toujours un plaisir de discuter avec elle, que ce soit pour parler des lectures, comme que ce soit pour parler de la pluie et du beau temps. Nathalie, merci beaucoup. Je crois que je l'ai déjà dit deux ou trois fois, mais franchement Nathalie, merci, tu m'as énormément gâtée et je suis plus qu'heureuse. J'espère que vous aussi ça vous aura plu autant que moi, enfin je ne pense pas que ce soit possible parce que je ressens une joie immense, mais j'espère que ce genre de vidéo vous plaît et j'en referai pour d'autres occasions. Si vous avez lu le livre Marquer les ombres qui est juste là, n'hésitez pas à venir m'en parler sans me spoiler s'il vous plaît, mais venez me dire si vous avez aimé ou pas votre lecture. Si vous êtes fan de Game of Thrones et que vous voulez venir en parler avec moi, que vous attendez comme moi la nouvelle saison avec impatience, vous pouvez venir en parler aussi. Et voilà, je vous attends, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous et je vous dis à bientôt.